Ils vivent sur une terre d'abondance, travaillent peu, ne connaissent ni la guerre ni la conquête, et ils partagent les fruits qu'ils trouvent. Ils s'aiment. Je t'aime, Jean-Jacques. Je t'aime, Jean-Pierre. Mais voici que l'un d'eux vient d'avoir une idée saugrenue et fatale. Il m'a bien une idée. Saugrenue et fatale, prenez garde. Ceci, il montre un lopin de terre, est à moi. Jean-Jacques sourit en acquiesçant. Jean-Pierre vient d'inventer la propriété. Mais Jean-Jacques ne conçoit pas encore très bien ce que peut être la propriété. Il va le découvrir. Jean-Jacques marche aux côtés de Jean-Pierre. Ils arrivent dans la zone délimitée par Jean-Pierre. Ceci est à moi. Il expulse Jean-Pierre. Jean-Jacques ne comprend pas. Reviens. À nouveau, il est expulsé par Jean-Pierre. Au bout d'un moment, un combat s'engage. Nos deux sauvages ne s'aiment plus. Je ne t'aime plus, Jean-Pierre. Je ne t'aime plus non plus, Jean-Jacques. Il ne s'aime plus, et c'est la guerre. Jean-Jacques assaille impitoyablement l'espace délimité par Jean-Pierre, tandis que Jean-Pierre le défend et repousse Jean-Jacques. Ils sont malheureux. Je suis malheureux. Car depuis quelque temps, je ne comprends plus, Jean-Pierre. Nous vivions harmonieusement, la terre offrait à nos mains ses généreuses productions et ses bras accueillants, et depuis quelque temps, sans qu'il ne se soit rien passé, Jean-Pierre a parlé d'une certaine propriété. Cette femme, que je ne connais pas, s'est immiscée dans notre amitié. Il doit la garder dans cette parcelle de terre qu'il a faite sienne. Et il ne cesse de répéter, ceci est à moi. Mais qu'est-ce que cette distinction? Qu'est-ce que ce à moi? Justement. À moi, je suis malheureux. Jean-Jacques ne comprend décidément rien. Cette parcelle que j'ai faite mienne, il ne sait se vouloir bien produire. Il ne part d'une femme et se perd de divagations sous les temps de nos aignons. Il ne respecte pas mon besoin d'intimité et mon amour pour la terre. Jean-Pierre, allons-nous laisser nos deux sauvages dans cet état d'incompréhension? Eh bien non, car voici l'homme de la situation. Bonjour messieurs, je suis l'homme de la situation. Comment l'homme de la situation va-t-il débrouiller nos deux amis? Jean-Pierre, Jean-Jacques, j'ai une solution à vous proposer. Faites que cet individu ne pénètre plus jamais chez moi. Cette guêpe de propriété lui a mis de mauvaises idées dans la tête. Messieurs, tout va s'arranger, j'ai apporté deux actes de propriété. Jean-Pierre, désormais, vous possédez cette parcelle de terrain, tout comme Jean-Jacques possède la sienne. Vous pouvez dire désormais de cet espace, ceci est à moi, vous y faites ce que vous voulez, et vous accédez au noble rang de propriétaire terrien. Voilà, bon, maintenant vous êtes à égalité. Pour fêter cet événement dignement, je vous offre cette brouette de pierre qui pourront constituer l'enceinte de vos terres. Bien, adieu messieurs, et n'oubliez pas de libeller votre chèque à l'ordre de l'homme de la situation. Hé, il mérite bien son nom, cet homme de la situation. Tu es enfin devenu raisonnable. Ah oui. D'autant que ma propriété est plus vaste et plus fertile que la tienne. Ma propriété est plus vaste et plus fertile que la tienne, c'est indéniable. Eh oui. Ah mais c'est exact. Et même de la situation, aurait-il fait prendre des vessies pour délanter? Ouais. Comme il l'a dit, l'égalité, c'est la propriété. Mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Pour le chèque, je te propose de faire moitié-moitié. Sur chaque. Ouais. C'est complètement injuste. Oh oui. Je suis le seul à bénéficier de l'intervention de l'homme de la situation, là, quand même. Oui, mais c'est toi qui l'as eu en premier, non, l'idée de la propriété? Non, mais Jacques, nous allons laisser nos amis non, mais y a pas de comparer éternellement leurs terres respectives, car
Je vous l'assure, ils n'en auront pas fini de se chamailler pour cette fameuse propriété.